Bonjour ma chère. Où est ta maman? Mais elle m'avait dit de venir. Ok. Peux-tu lui dire de ma part que j'avais déjà fait les premiers travaux et je reviendrai demain pour faire le deuxième? Et c'était prévu qu'il me paye aujourd'hui. Ah, merci beaucoup. Désolé. Merci beaucoup, hein. Et dis-la merci de ma part, hein. Je reviendrai demain pour continuer le travail. Au revoir. Tu es encore ici? Est-ce qu'on peut partir maintenant? Je suis prête. Apporte ce qu'il faut, dépêche-toi de partir. Ok, je les apporte. À qui apporter ceci? Je viens juste de les ramasser. C'est à qui? Maintenant? Juste maintenant. Peut-être qu'ils sont là-bas qui viennent de partir. Laboureur? Oui, il vient juste de partir. S'il te plaît, ça fait combien de temps? Je dois les retrouver. Il n'est pas loin. Chloé, laisse-moi te montrer. Regarde, je pense que j'ai quelque chose qui t'appartient. Arrêtez, s'il te plaît, parle-moi, même pour quelques secondes, parce que mon cœur s'est resté. Les leçons de la vie ont été déjà enseignées une fois. Laissons notre passé derrière nous. Jusqu'à quand on va continuer à réagir de la sorte? Arrête, j'aimerais que la prière te réchauffe. Les choses d'hier que tu me racontes ne peuvent plus revenir aujourd'hui. Et demain, c'est inconcevable. Le monde ne nous permet pas de faire les choses à moitié. S'il te plaît, écoute. Je suis une femme malheureuse. Et je compte sur ta parole pour me comprendre. Et moi, je suis ce que je suis. Abandonné, nié, détruit moralement. C'est pas toi, ni aucune autre femme. Et revivre cette chose. Le passé reste dans le passé. Je suis un fugitif dans ma propre terre, banni pour la vie. Je veux dire, toutes ces 14 saisons passées, les efforts que tu as fournis pour surmonter ces obstacles. Regarde mon cœur, ne regarde pas cette histoire malheureuse. Personne ne peut changer le passé, tu le sais. La seule victoire pour notre amour est de fuir. Arrêtez!
Arima, où vas-tu? Non, t'inquiète pas, je vais revenir. Arrête! Je n'ai pas l'habitude de le faire. Elle n'est pas aux alentours? Non, je ne pense pas. D'ailleurs, tout ça, c'est peut-être un problème. Spécialement la maman qui est venue. Le village de Zika. Tu as bien dit qu'elle ne se fait pas voir depuis le matin. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Je ne sais pas, mais il peut y avoir un... Ça ne va pas. Je dois aller la chercher. Je sais pas, mais je vais juste la chercher. Je ne peux croire que ma seule princesse a disparu. Les yeux que j'ai l'habitude de voir. Ma fille. Qu'est-ce que je peux faire? S'il te plaît, ma soeur, calme-toi. Calme-toi. S'il te plaît. Ma fille a disparu, tu me dis de me calmer. Calme-toi. Calme-toi. Et qu'on va la trouver. Où est-ce qu'on va la chercher? Tu vas te tuer pour ça? Arrête de pleurer. Elle n'a pas l'habitude de rentrer tard. Tu n'as pas d'autre ami? Non, j'ai pas d'autre ami. Es-tu sûre? Oui, je suis sûre. Même elle te dira pas le contraire. Où est-ce qu'on va la chercher? Qu'est-ce qu'on va faire? Le Dieu des ancêtres, regarde-moi. Aie pitié de moi. Je suis complètement perdue. On finira par la trouver. On finira par la trouver. Apaise-toi, s'il te plaît. Hey! Dieu de nos ancêtres, aide-moi à retrouver ma fille. Aide-moi à retrouver mon unique fille. C'est là ma prière. Qu'est-ce que je veux faire? S'il te plaît. Lève-toi. On finira par la trouver. T'inquiète. Lève-toi, ma chère. S'il te plaît, lève-toi. Okay? Qu'est-ce que je vais dire à Igwe? Hein? Calme-toi, calme-toi, calme-toi.
tu m'as promis. Tu as promis de m'aimer, mon chéri. Tu as juré. Tu as juré de rester à mes côtés, dans le meilleur comme dans le pire. Tu étais censé être ma joie, dans le jour comme dans la nuit. S'il te plaît, mon amour, renouvelle tes promesses, amour. S'il te plaît. Je le ferai. Je vais renouveler les promesses. Je vais tout renouveler. Mais en une seule condition. Que tu me promettes de ne jamais, jamais dire à qui que ce soit, ta cousine, même ta mère, que tu connais quelque chose à mon propos. Je jure devant mes ancêtres que je connais bien ça. Avec toute sincérité et sérénité. Toi, Dieu, toi, rends-moi juste, sincèrement et honnêtement. Je vais garder ces secrets. Si par erreur ou à n'importe quelle circonstance, je révèle ceci à n'importe qui. Je ne te trahirai jamais. Les yeux ne mentent pas. Et tes yeux disent exactement ce qu'il y a en toi. Je promets de t'aimer dans mes jours et comme dans mes nuits. Je décide de rester à tes côtés dans les meilleurs et dans les pires. Je jure d'être ta lumière, ton soleil dans l'obscurité. Et je le ferai pour toujours. Je t'aime. Je t'aime aussi. Erima, viens, viens, viens. Pourquoi? Ta mère est ici. Ma mère, oui, oui.
s'il vous plaît. J'ai dit à terre. Expliquez quoi? Je suis en train de chasser, ne faites pas du mal. Et toi soldat? Toi soldat de Hizimba? Qu'est-ce que exactement tu fais sur notre bande de terre? Dis-le-nous. Si pas espionné. Non, non, je n'espionnais pas. Arrête avec des explications. Et quoi? Djurugé? Amenez-les. Vas-tu dire la vérité ou pas? Tu as été envoyé pour espionner, n'est-ce pas? Espion. Espion. Ton Nigwe pense qu'il peut nous mentir. On lui avait donné 6 mois pour qu'il réponde à notre demande. Et voilà qu'il t'envoie, toi, son soldat, bien préparé pour ça. Il t'a envoyé comme espion pour venir espionner ici. Mensonge! Ils ne savent pas qu'il est capturé. Écoutez, c'est pas si mauvais de tuer cet homme et lui jeter dans la rivière. Tuons-les. Notre Igwe doit d'abord lui voir avant que cela ne se fasse. Stop! Mon souhait est de rassembler quelques gardes pour aller la protéger jusqu'à son retour. Igwe, longue vie. Votre Majesté, les guerriers du royaume de Ondu ont capturé de nos soldats et ils veulent te voir. Ondu? Oui, votre majesté. Mais je n'ai envoyé personne et pas. Emmenez-les. À vos ordres. Qu'est-ce que vous avez fait? Igwe, l'envie. Où l'avez-vous trouvé? On l'a trouvé, espionné dans notre royaume. Pourquoi vous ne l'avez pas tué? Pourquoi vous l'avez pas tué? Votre Majesté, notre Igwe avait dit qu'on ne devait pas le tuer parce qu'il a quelque chose à te dire. Qu'est-ce que c'est? Il connaît où la princesse se cache.
Il connaît où ma fille se cache. Tu connais où ma fille se cache? Où est-elle cachée? Qu'est-ce qu'il est idiot? Il vous a parlé de l'endroit où elle se cache? Oui, votre majesté. Love denied is death. C'est la mort. When you left lorsque tu m'avais abandonné, my life became ma vie était si misérable. Mais tu es accompagné de toutes tes connaissances de Izimba, et aussi ta cousine depuis le royaume d'Azari. Definitely. Et cette solitude peut souffrir l'un de tes hommes. The worst solitude is to destitute a true and sincere friendship. I became a destitute. Destitute in soul. Well, alas, today, love has triumphed over time. Tout cela, we have some victory. Yes. Our love is victorious. Oui. Oui, il est. L'amour est si bon, quand on les a des, pas à toi, souviens-toi chérie, c'est tout ce que tu me disais, la gaffe, c'est la tu n'as pas oublié ça. Yes, I can never forget. Mrende! Mrende! Mrendeu! Zambaba Koko! Mili mama iboya ee! Nabele libino penza! Bokonze ya, bokonze na binu ya. Molimu anyoka. Molimu anyama. Yoka kena likolo. Boyo kitaka. Brrrr. Kabrrrr. Mrendeo. 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 Mais c'est quoi ça? Il va pleuvoir pendant la saison sèche? Qui est là? C'est moi, père. Ah, Ouka. Père, est-ce que tu as vu ce que je viens de voir? Il va pleuvoir pendant la saison sèche. Parce que les ancêtres sont en colère. Ce matin, même mes incantations ne semblent pas aller. Les dangers et le méchant circulent tout aux alentours. Aux alentours? Aux alentours, père? Aux alentours de quoi? De cette maison ou de tous les villages? Mon fils, ne sors pas aujourd'hui. Parce que quelque chose peut arriver. Pour la crainte, père. C'est pour la crainte que tu dis ça. Mes incantations ne semblaient pas marcher lorsque je le faisais, mon fils.
ça reproduisait rien. Les dangers permanents. S'il te plaît, ne sors pas. Ok, père. Je t'ai écouté. J'ai pas vu Rima depuis hier. Est-ce qu'elle n'est pas encore de retour? Ouais, je pense qu'elle est déjà de retour. Ah, tu vas essayer. Je dois aller la voir maintenant. Brendé! 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 Irima. J'ai dit laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Irima. Irima, s'il te plaît, écoute-moi. C'est fini. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est fini. Hein? Tu avais dit que tu m'aimes et que tu veux rester à mes côtés, hein? Oui, c'est vrai, mais maintenant c'est fini. Je ne veux plus. Mais tu n'es pas malade, toi? Comment tu ne veux pas comprendre ça? Je t'aime plus, ok? Irima, s'il te plaît, écoute-moi. Je dis, laisse-moi, c'est. Tu veux me forcer? Tu veux me forcer? Irima, j'étais sincère lorsque je t'avais dit que je t'aime. Et moi, je t'aime pas. Qu'est-ce qui est si difficile que tu ne comprennes pas? Je ne te veux pas. Je ne t'aime pas. Et c'est tout. Mets ça dans ta tête et laisse-moi tranquille. S'il te plaît. C'est ici la maison. Qui êtes-vous? Hein? Donc c'est toi qui as kidnappé la princesse? La princesse? La princesse? Non. T'appelais. Allez, allez, amenez-les. Allez, bouge. Laisse-moi, laisse-moi. Oh, enfin. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oui, les guerriers de Zimba. C'est le roi qui les a envoyés. Amenez-la, amenez-la. Bouge. Pourquoi t'es ici? Qu'est-ce que toi? Et toi, qu'est-ce qui va pas avec toi? Qu'est-ce qui va pas? Nani, 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 Nani
Nani wana? Nani? Nani? Dis-lui que je veux le voir ici, immédiatement. Igwe. Igwe, Ogumba. Qui es-tu? Je suis Ubona Achaka Ukwamba. Qu'est-ce que tu veux ici? Je suis venu te dire, mon fils est innocent. S'il te plaît, dis à tes gardes de les relâcher. Qui est ton fils? Celui qui a été captivé ici? S'il te plaît, dis-leur de le relâcher. S'il te plaît. Tu as kidnappé ma fille. Tu as kidnappé ma fille. Garde. Lève-toi. Igwe Ugomba. Je suis Achaka Ukwema Ukwempa. J'aimerais que tu relâches mon fils. Il est innocent. Il est innocent. Tu penses qu'elle connaît le fils? Longue vie à vous, Igwe. Votre Majesté, le capturé a été exécuté. Bien. Bien. Tu peux aller te reposer maintenant. Oui, Votre Majesté. Princesse? Princesse? Hey! Princesse? Princesse? Hey! Princesse! Princesse, réveille-toi. Princesse,
sûr que la maman connaît ces garçons. Igwe! 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 Yerima! Qu'est-ce qu'il y a? Yerima! Igwe! Y a-t-il un problème? Yerima! Qu'est-ce qui arrive à Yerima? Yerima! Yerima! Je dirais aux gardes de te faire sortir! Igwe! Sors de ce palais avant que je dise quelque chose! Franchement, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il se fait? Igwe, j'ai un message provenant de Dieu. Oui, c'est quoi? Tu as désobéi les dieux en faisant couler le sang d'un jeune homme innocent. Et c'est pour cela que ta fille souffre. Que dois-je faire? Pour plaire au Dieu et pour qu'il libère la vie. La solution se trouve loin, très loin de ce royaume. C'est un voyage qui prend beaucoup, beaucoup de jours. La vie va durer. Dis-moi où ça se trouve pour que j'envoie le guerrier. Non, faut qu'il existe. Ça serait un sacrifice inutile. Nous avons besoin d'un sacrifice depuis la cave de Garizou. Ça a le pouvoir de guérir ta fille. La cave de Garizinga est une maison de ténèbres. Si on ne le ramène pas, la situation de ta fille Irma restera la même. Garizinga cave. Sage, si jamais j'envoyais mes militaires, que dois-je faire? Appelle des jeunes hommes courageux qui se présenteront comme des volontaires. C'est bon, sage. Ça sera comme tu le dis, sage. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu vois, je ne suis pas heureuse de voir ma fille comme ça. Tu sais, je veux le bonheur pour elle. C'est ici ma fille. Et je veux le bonheur pour elle. Mais que veux-tu que je fasse dans cette circonstance? Que dois-je faire? J'aimerais que tu fasses une promesse à ces jeunes gens. J'aimerais que tu les envoies en garde à pour une solution à sa maladie. Qu'est-ce que tu veux que je leur promette? J'aimerais que tu leur promettes que si vous assumez la princesse Maya, il sera le prince. Marier la princesse et être prince de mon royaume. Rien de plus.
rien dans cette maison. Ici, tu pleures seul. Très bien. C'est pas si mal. Je vais réfléchir sur ça. Citoyens de Zimba, je vous salue. Je suis si heureux que vous ayez répondu à mon appel. La survie de ce royaume repose sur vos épaules. Vous êtes le futur de cette communauté. Nous avons donné le meilleur. Et nous faisons de notre mieux pour que vous continuiez. Comme vous le savez tous, la princesse est malade. Elle est sur le point de mourir. Voudriez-vous qu'elle meure? Non, c'est pas possible. Bien. Pour assurer qu'elle ne meure pas, vous devez faire un si long voyage pour trouver le remède à sa maladie. Le sage à mes côtés va vous donner tout le détail. Brave et courageux jeune homme de Izimba, vous êtes appelé à faire un voyage jusqu'à la cave de Garzinga. Je sais que vous comptez sur nous et que vous retournerez glorieux. Je dois vous préparer pour le voyage. Seulement 5 personnes sont préparées pour ce voyage. Juste 5 hommes courageux et généreux qui se manifestent. Seulement les gens qui seront capables de sacrifier leur vie. Juste ces deux. Non, laisse-moi aller. Laisse-moi aller, c'est mon choix. Laisse-moi aller. Je te dis de me laisser. Non, c'est pas vrai. Je vais. Il nous reste qu'un seul volontaire. Je suis si heureux que dans cette communauté, il y a aussi des courageux. Bien. Maintenant, vous êtes à 5. Les hommes. J'ai toujours su que nous avons les hommes de valeur dans cette communauté. Et je remercie votre courage. Je sais que vous irez et retournerez avec le remède pour la princesse. Une fois de plus, je vous remercie.